TV Isard, Esprit des Pyrénées. Donc à un moment donné, Jacques s'est mis à peindre les montagnes, puisqu'effectivement, ici, bon, on a la chance de pouvoir voir une partie de la chaîne des Pyrénées. Et donc il a peint une série de montagnes comme ça. On ne les a pas toutes, parce qu'elles ont été exposées, il y en a qu'on a données. Mais effectivement, bon, les Pyrénées que l'on connaissait. Pour la partie Pyrénées-Orientales, on a été content de les retrouver ici et d'une nouvelle façon. En même temps, alors que, comment dire, Perpignan était un peu notre capitale, c'est Pau qui est devenu en quelque sorte notre capitale. Et on a été ravis de découvrir Pau, qui est une très jolie ville, et qui a été un peu notre point comme on avait Perpignan auparavant. Alors donc ça, c'est vrai que la montagne compte beaucoup, on l'a aussi beaucoup photographié. Et en même temps que les montagnes, il y a eu des portraits. Alors voilà. Alors ça, ce sont des toiles que Jacques a fait seul, pendant que justement je faisais autre chose et que je me suis mis à découvrir que c'était pas inintéressant de faire une copie. Ça m'a amusé parce que dans les écoles d'art où j'ai pu enseigner, on disait que c'était complètement idiot et qu'il ne fallait pas faire une copie. Je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense que ça donne beaucoup de lâcher prise, c'est-à-dire que tu n'es pas impliqué dans ce qui est représenté, et donc en fait tu t'impliques d'une autre façon, où ton ego n'a rien à voir avec tout ça. Et surtout, ce qui est très très amusant dans une copie, c'est que tu, à force de regarder l'image de cette peinture, tu découvres incroyablement des choses que tu ne vois pas à première vue. Et au fur et à mesure, c'est incroyable, tu te dis, mais comment ça se fait que je n'avais pas vu tout ça la première fois? Et vraiment, tu rentres dans une sorte de profondeur de la peinture qui est très amusante. Alors là, c'est un portrait que nous avons peint tous les deux parce qu'il avait commencé et que j'ai terminé. J'étais contente de le terminer. Ça aussi, c'est un autre portrait qui a été fait comme ça. En fait, Jacques a commencé une toile et puis je l'ai poursuivi parce que parfois, voilà, il laisse un tableau et puis il est content que je le poursuive. Donc j'avais fait celui-ci aussi. Et puis après, il y a eu des tableaux qui sont, qui représentent plus des rêves. Alors là, bien que ça ne soit pas directement les Pyrénées, on peut quand même toujours dire que les Pyrénées inspirent fortement. Bon, là, c'est un autre portrait, pareil, commencé par Jacques et que j'ai terminé, où on découvre un personnage que je ne connais pas. Mais bon, pour moi, ça pourrait être le Mahakohan, c'est-à-dire un personnage qu'on ne voit pas, mais qui existe. Bon. Alors là, c'était un rêve aussi, donc là, c'est une licorne dans un sous-bois avec un lac, enfin, etc. Si, bon, c'est un autre rêve, on va dire. C'est une fée des étoiles. Je disais, cette fée des étoiles, très grande comme ça, bon, je n'arrivais pas à la voir. Alors, je me suis inspiré pour la dessiner d'un dessin de Granville.
Ça, c'est une des premières peintures qu'on a fait tous les deux, qu'il avait commencé, que j'ai terminé. C'est une danse avec les étoiles. J'aimais beaucoup cette peinture. Elle est assez ancienne, enfin, elle a au moins 2 ans ou 3. Il y a 3 ans, dans un rêve, mais qu'il a quand même réveillé, et il m'a réveillé pour me le dire, dans notre porte-fenêtre, il a vu des personnages bleus, très chaleureux, très, très grands, très longs. Mais cependant, dont on ne voyait pas vraiment de visage, ni de bras, ni rien, ils étaient très lumineux. Et voilà, donc il m'avait réveillé pour me dire ça, et qu'il était très content. Et après, donc, je lui ai demandé de les peindre pour qu'on puisse les reconnaître un peu, quoi. Voilà. Et ça, c'est la peinture de l'Himalaya, là, que j'avais fait pour la fête du Wesak. Oh bon, alors c'est quand même un hommage aux Pyrénées aussi, hein. Parce qu'on dit que les Pyrénées sont quand même la plus haute montagne du monde. C'est-à-dire de la racine en haut, les Pyrénées sont enterrées en fait. Et c'est une montagne qui est plus haute, la chaîne des Pyrénées est plus haute que l'Himalaya. Alors évidemment, avec les différents plissements, elle se trouve enterrée. Mais les géologues savent que de la base de la chaîne des Pyrénées à la hauteur, en fait, ce sont les plus hautes montagnes du monde, plus hautes que l'Himalaya. Donc, en quelque sorte, l'Himalaya est quand même un hommage aux Pyrénées. Voilà. Donc voilà, ça c'est une arrivée sur l'Himalaya, mais en contre-plongée. Donc tu vois, on arrive comme ça. Et on a donc les nuages en dessous. C'est une chose que l'on voit ici aussi, parce qu'on est dans le piémont pyrénéen, ici. Et donc, évidemment, l'hiver, il arrive qu'on soit complètement entouré de nuages et qu'on ne voit que la chaîne des Pyrénées enneigée. Alors, ça donne un peu cette impression-là. Ça, c'est une peinture que, pareil, que Jacques a commencé et que j'ai terminée. Alors lui, au départ, ce qui l'amusait, c'est que c'était très découpé, que c'était plus un Mondrian. Et en fait, c'est un Mondrian avec des modèles qui posent sur un fauteuil, en fait, etc. Donc, ce n'est plus un Mondrian, voilà. Donc, c'était ça qui nous amusait. Je me suis bien régalé aussi à terminer ce tableau. C'est à peu près ce qu'on peut dire, hein. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, on peut dire que c'est une série de femmes dénudées des seins. C'est ça. Dénudées des seins. Alors, t'en as des dénudées de tout. Alors, on a aussi la sirène avec Henri IV, qu'on aime beaucoup. On lui a inventé une nouvelle histoire, parce que comme disait Octave quand il avait visité le château de Pau, quand le guide avait expliqué que Henri IV avait eu 352 maîtresses, il nous avait dit « mais il est nul ce type ». Parce qu'il trouvait que franchement, dès qu'il n'en avait qu'une à l'école, il trouvait qu'en avoir 352, c'était franchement inutile. Alors, il avait dit qu'il est nul, ce pauvre Henri IV. Et alors là, on lui en a inventé une autre, qui est une sirène, et qui me plaît bien aussi, parce qu'on a découvert, sans être allé voir exactement à Pau, qu'en fait, il y avait une mer tropicale à Pau. Et d'ailleurs, le musée géologique a des coraux qui se trouvaient là. Donc en fait, avant la bousculade de toutes les montagnes des Pyrénées, etc., on avait un climat tropical et un récif de corail très important autour de Pau. Alors on n'est pas encore allé visiter ce musée. Oui, mais... Oui. Est-ce que la question qui est posée, Henri IV était-il roux ? C'est pas sûr. Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Mais pourquoi pas ? C'est plus probable que son cheval soit alezan ou... Oui, ça, c'est vrai. Mais l'histoire
qui confirmerait un peu ça, c'est que par exemple Henri IV, son berceau, comme tu as dû le voir, c'est une coquille. Jacques, il te tend un tableau. Coucou. Comme on peut le voir au château de Pau, le berceau d'Henri IV est une coquille de tortue, une très grande tortue. Alors, est-ce qu'elle venait de la région même, puisque très anciennement il y avait un climat tropical, on ne sait pas. Mais voilà, donc ici on voit Henri IV en quelque sorte dans un paysage marin, donc dans une autre époque de la région des Pyrénées et de Pau. Cette toile, c'est pratiquement une sorte de retrouvaille, parce que c'est vrai que dans pas mal d'interventions, on a été aussi bien Pierrot et Colombine, Quasimodo et Esmeralda, enfin, etc. C'est une toile faite d'après un film de... Chat noir, chat blanc. De Kusturica. Où effectivement un personnage se marie avec une femme qui est toute petite. Il est immense et elle mesure à peu près 1m30, tu vois. Comme tu vois, bon, c'est un modèle, très bien, elle est assez opulente et tout ça. Et en fait, tu vois, avec tous ces petits points, ça rejoint le... quelque chose qu'on aime beaucoup, qui est cette statue de la Vierge du Rossio. Alors, je ne sais pas si tu connais l'histoire de la Vierge du Rossio. C'est le seul pèlerinage au monde qui est toute religion confondue et même pas de religion du tout. Alors, c'est quand même rare. Alors, il y a deux règles. On part à pied. Ça se passe du côté de Cadiz. Et là, tous les gens, ça dure depuis 10 ou 15 siècles, et les gens, quelle que soit leur religion, qu'ils soient juifs, catholiques, musulmans, ou qu'ils aient un rite particulier comme les gitans, ou qu'ils ne sont pas du tout religieux, qu'ils n'aient aucune religion, ils ont deux principes. Ça se passe le lundi de Pentecôte. Il faut que tu mettes tes plus beaux habits, il faut que tu amènes absolument aucun argent, ni aucune nourriture. Parce que la règle est que tu acceptes tout ce qu'on va te donner sur le passage. Et naturellement, on te donne de tout, à boire, à manger, etc. Et à l'arrivée, eh bien, chacun fait ce qu'il veut. Chaque groupe fait une cérémonie s'il en a envie, ou une fête, ou des danses, etc. Et c'est à l'occasion de ces fêtes du Rossio qu'on chante et on danse des sévillianas, parce que c'est au sud de Séville, quoi. Alors la sévilliana du Rossio est très très jolie. Il y en a plusieurs, bien sûr. Vas-y, chante. No te vayas todavía, no te vayas por favor. No te vayas todavía, grata la guitarra. La 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 la, hay un pañuelo blanco. J'ai un peu oublié les paroles, mais c'est une très jolie chanson. Et alors, si tu veux, cette Vierge du Rossio, en fait, au départ, c'est une femme nue comme ça, c'est abondant. Et avec toutes ces lumières-là, ces couleurs, en fait, c'est beaucoup plus un hommage. Parce que la Vierge du Rossio, en fait, c'est comme les Vierges Noires, si tu veux. C'est un rite très ancien, et surtout qui n'a aucune idée de ségrégation, de rien du tout. Et c'est assez rare. Enfin, c'est même très rare, parce que nous, on l'a demandé aussi bien à des amis qui soient musulmans ou juifs ou autres. Ça n'existe nulle part ailleurs. Parce que comme nous disait notre petite fille, quand elle avait un âge un peu con, genre ado, on était allé à Lourdes, et puis elle nous dit, il n'y a pas beaucoup de musulmans ici.
Alors j'ai dit, oui, c'est vrai, t'as raison, mais tu vois, en même temps, c'est pas tellement prévu pour, quoi. Alors je lui avais dit aussi, d'ailleurs, si tu vas à la Mecque, je pense pas que tu trouves tellement d'orthodoxes ou de je sais pas trop quoi, parce que c'est pas non plus conçu dans ce sens. Ça nous a toujours plu, cette histoire, parce que tu te dis, bon, il y a des gens qui arrivent depuis des siècles à s'entendre entre eux, bon, ben pourquoi on n'irait pas dans ce sens plutôt qu'aller se trouver des différences inutiles. On peut faire des fêtes qui se partagent très bien, et voilà quoi. Voilà, donc ça c'est une sorte de dommage à la Vierge du Rossio ou aux Vierges Noires en général, quoi. Mais écoute, moi je vais te dire, on prend son pied en peignant. Et aussi sans a priori, sans contexte très contraignant que je trouvais dans les écoles d'art où on te dit « Ah mais c'est complètement débile de faire un truc comme ça, mais tu te rends compte ?» Alors je me rends compte que je suis parfaitement libre et je suis vraiment contente de ça. Que ça plaise à personne, ça m'est égal, ça plaît à quelques-uns, tant mieux. Et voilà, et ça, c'est vraiment très agréable. Pyrénées qui ne sont point une frontière mais l'ouverture vers l'Afrique, comme le dit la chanson. Aquelios montanus que tan alto sun m'empêchant de bede mis amurum sun si canto que canto. Canto pas per you, canto per mi amigo, que salem de you. Aquellos montanus que tan alto sun, m'empêchan de bede mis amours. Moi je trouve très fou l'attachement, le changement des écritures au Japon. Ah bon, ça m'épate. Première peinture que j'ai faite, c'était un paysage oriental sur du papier très pauvre que j'ai plié plusieurs éléments et je passe d'un truc à l'autre. Je viens de me rendre compte que c'est le passé qui a enfoui le tout. Ah ouais.
aussi une vieille photo qui est dans ma chambre. Il a tout simplement accepté mes farces et le caractère que j'ai qui est un peu dansant. Je suis mort, mais non, je suis vivant. Enfin, je vis encore. Non, en fait, je me vois très bien avec 20 ans de plus.